La 81e édition du Paris-Nice débute ce dimanche 5 mars à La Verrière, Yvelines, et s'achèvera à Nice le dimanche 12 mars. Télé Loisirs vous propose de suivre le programme télévision complet de cette semaine de compétition. En attendant le Tour de France, dont le départ est prévu le 1er juillet, les fans de cyclisme vont pouvoir s'ouvrir l'appétit devant le Paris-Nice. Comme tous les ans, la compétition d'une semaine ouvre l'année sportive des coureurs et rassemble de grands noms du milieu sur sa ligne de départ. Le dernier vainqueur du Tour, Jonas Vingegaard, sera de la partie, tout comme le nouveau phénomène du vélo, le Slovène Tadej Pogačar. Ils viennent challenger Primo Roglic, gagnant de la précédente édition. L'ensemble des cyclistes partira de La Verrière dans les Yvelines pour atteindre Nice, une semaine après. Télé Loisirs vous propose de découvrir le programme télévision complet de l'événement. Paris-Nice, la belle rivalité entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard sont les deux nouvelles stars du cyclisme mondial. Âgés respectivement de 24 et 26 ans, le Slovène et le Danois se tirent la bourre dans toutes les compétitions de cyclisme. En 2021, Pogačar, déjà vainqueur du Tour en 2020, avait eu Vingegaard pour dauphin au classement général. Les choses se sont inversées en 2022 puisque Siesti, le plus vieux des deux, qui a terminé en tête, laissant le second à la deuxième place. Une rivalité sportive s'est donc installée entre eux, même si les deux hommes entretiennent un grand respect mutuel. On se souvient du joli geste de Vingegaard lors de la dernière édition du Tour de France, qui avait attendu que Pogačar se relève d'une chute dans une descente pour repartir. Quelle chaîne dispose des droits du Paris-Nice? Comme à l'accoutumée, deux groupes vont diffuser conjointement toutes les étapes de cette 81e édition du Paris-Nice, France Télévisions et Eurosport. Traditionnellement liés au cyclisme, ils proposeront l'intégralité de la semaine du 5 au 12 mars sur leurs antennes via France 3 et l'un des canaux de la chaîne payante. Programme télévision complet du Paris-Nice, où suivre la compétition? Dimanche 5 mars 15h15, étape 1, La Verrière, La Verrière, 169,4 km, diffusée en direct sur France 3 et Eurosport 2 lundi 6 mars 15h10, étape 2, Bazainville, Fontainebleau, 163,7 km, diffusée en direct sur France 3 et Eurosport 2 mardi 7 mars 15h10, étape 3, Dampierre-en-Burly, Dampierre-en-Burly, 32,2 km, diffusé en direct sur France 3 et Eurosport 2 mercredi 8 mars 15h10, étape 4, Saint-Amand-Montrond, La Loge des Gardes, 164,7 km, diffusé en direct sur France 3 et Eurosport 2 jeudi 9 mars 15h10, étape 5, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 212,4 km, diffusé en direct sur France 3 et Eurosport 2 vendredi 10 mars 15h10, étape 6, Tourve, La Colle-sur-Loup, 197,4 km, diffusé en direct sur France 3 et Eurosport 2 samedi 11 mars 13h35, étape 7, Nice, Col de la Couillole, 142,9 km, diffusé en direct sur France 3 et Eurosport 2 dimanche 12 mars 13h30, étape 8, Nice, Nice, 118,4 km, diffusé en direct sur France 3 et Eurosport 2. À lire aussi Tour de France 2022, le beau geste de Jonas Vingegaard après une chute de Tadej Pogačar, ce dernier le remercie en pleine course.